Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit haul action. J'y suis passée hier, donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours coiffée pareil, j'ai toujours le même t-shirt, mais ça fait 3 vidéos que je tourne le même jour. Je suis tellement à la bourre cette semaine, pour des raisons multiples. Que voilà, c'est donc du coup je tourne mes vidéos et je balance tout, mais ne vous inquiétez pas, je me change, je me lave comme tout le monde, voilà. Enfin comme tout le monde en principe. Bon bref, on va pas durer trop longtemps parce que du coup après je pense que avec celle-là, si j'arrive à faire court, lol, je vais enchaîner avec un haul Lidl. Donc, à action, j'ai repris ces peintures-là. Donc, en commentaire, on m'avait demandé pourquoi je m'en servais, pas pour faire des enamel dots, parce que c'est juste pas possible. Par contre, je m'en sers pour faire, pour repeindre des embellissements en bois ou en plâtre. Et ça fonctionne très bien et ça coûte pas cher. Voilà, j'ai repris des petits carrés de mousse. J'ai repris des feutres métalliques, enfin pour qui vont sur le métal, la porcelaine, que je n'avais pas. Donc il y a du doré, du vert, du rose, du mauve. Et je ne sais pas quelle couleur c'est, métallique rose, purple métallique, je sais pas si je ne l'ai pas déjà celui-là, un white et un pink. Au pire, si je l'ai, ça ira dans un lot de concours. Et donc l'autre, j'ai métallique green, j'ai pas mes lunettes, métallique gray, black et solid mint. Voilà, donc j'ai repris ça aussi. Alors je sais même pas si j'en avais pris un, je m'en souviens plus. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrête d'acheter. Hein. C'est clairement. Donc c'est pour faire un journal soi-même. Et je pense que je l'avais pris en vert, mais en rose, je ne crois pas. Donc je l'ai trouvé en rose. Donc dedans, c'est un kit, il y a tout, hein. Voilà, il y a tout pour faire ça. Ensuite, un bloc de papier. Tout le monde le connaît, hein. C'est le Soft Sweet Pink, donc celui-ci, sauf qu'il était en promotion. Je vais vous le présenter vite fait, mais bon, vous l'avez vu et revu sur les hauts l'action. Je l'ai clairement pris pour cette page-là. Paris. Je suis une fanat de Paris. Bon, après, il reste sympa. Hein, je sais même pas ce qu'il y a, en fait. Je vous fais voir, mais moi, je vois pas dans le retour. Donc... enfin bon bref, je l'ai pris aussi, il y a les cupcakes aussi qui sont sympas. Voilà, je vais arrêter avec mes voilà. Papillons, encore des cupcakes. Je me vois ce que c'est. Un renard et des poussins. Et après, bah c'est encore pareil, je pense. C'est les ballons, maquillage. Bon, c'est assez girly, hein. Mais bon, ça peut servir, hein, comme à chaque fois. C'est ce que je dis tout le temps. Ensuite, en promo aussi, j'ai trouvé ceci. Alors, logiquement, c'est des bacs en plastique pour faire du rangement dans ces frigos, qui sont d'ailleurs très pratiques. Et j'ai vu une chaîne sur la chaîne de Sandy,
Pareil, si j'y arrive, je mettrai un petit sinon en barre d'infos que je vous invite à aller voir. C'est une super femme, elle est adorable, nature, enfin voilà quoi, elle fait des trucs sympas, des hauls aussi. Et donc j'ai vu que en fait, elle s'en servait pour stocker ses feutres alcool. Donc voilà, donc j'en ai pris 4, ils étaient à 79 centimes pièce. Voici, voilà. Et là, eh ben, je me suis lâchée parce que dans mon action, je n'en ai jamais trouvé. Ce sont ces fameux rouleaux de... Je vais peut-être lâcher toutes les boîtes. Hein. J'en ai pris 6, je crois. Oui, c'est ça, 6. Donc, c'est les rouleaux de... Oh, je vais y arriver, c'est marqué là, magnétique. Oh, voilà. Je vais aller vite et je fais n'importe quoi. Donc j'en ai pris 6 parce que mes dailles, c'est juste plus possible. J'y arrive plus, quoi. Donc, j'ai aussi trouvé, alors franchement, par le plus simple des hasards, avec les anciens tampons qu'ils ont tout le temps, super bien cachés, hein, ceux-là, par contre, j'ai trouvé le tampon, les tampons et le dye licorne. J'ai trouvé celui avec les chats. Au final, je les ai tous pris. Il en restait 5. J'ai pris les 5. J'ai pris les fleurs. Alors, je sais qu'il y en a, il y en a 2 ou 3 des fleurs. Bon, moi, c'était les mêmes. Donc, j'en ai pris un deuxième, le même, que je mettrai dans mon concours. Et j'ai trouvé celui des papillons. Voilà. Et en tout et pour tout, c'est tout ce qu'il y avait dans le rayon. C'en est fini pour ce haul action. Et je vous retrouve, je vais coller à la suite pour un haul Lidl. A tout de suite. Oh, coucou. Donc, je vous fais voir les articles que j'ai trouvés cette semaine. Ça doit être jeudi que j'y étais, jeudi ou vendredi. Et donc, ils avaient pas mal de choses pour le loisir créatif. Donc, j'ai pris les stylos à paillettes. Voilà. J'ai vu sur la chaîne de Sandy, toujours... elle les a essayés et franchement, non, c'est pas les stylos à paillettes, c'était pas... bon, je verrai si c'était ceux-là ou des métalliques, parce que quand elle a fait l'essai avec le mauve, ça donnait un aspect irisé, comme si c'était des bruchots effet métallique. Franchement, ça rendait super. Ne me demandez pas les prix, je ne sais pas et je ne sais pas où j'ai mis le ticket. J'ai repris aussi les pastels. Voilà. Donc, les pastels, moi, je les gratte pour faire comme les bruchots, en fait. Et puis, les diluer après directement. Ensuite, j'ai hésité et finalement, je l'ai pris parce que je l'avais vu dans une vidéo... il y a assez longtemps, parce qu'ils l'avaient déjà sorti avant, c'est leur massicot. Voilà, leur massicot qui est comme ça. Et en fait, il vous fait plusieurs coupes. Donc, vous levez la molette, vous tournez et ça vous fait... alors, il y a une des coupes, je ne sais pas s'ils disent, il y a 12 lames différentes. Ça coupe jusqu'à 31 cm de large, donc pour les feuilles 30,5 par 30,5, c'est impeccable. Pardon. C'est donc, la fleur est donc verte, la feuille de lame est rotative. Il y a deux, comment dire, il y a une lame et il y a un plioir. Ensuite, ça fait, donc il est en graduation, pardon, en centimètres,
Et donc voilà. Et bon, c'est clair que, enfin, je vais vous dire honnêtement, hein, j'ai le gros massicot de chez Lidl qui fait guillotine. J'ai les deux Tonic Studio qui font guillotine. Donc inutile de vous dire qu'en massicot, je suis blindée. Mais j'avais envie d'essayer celui-ci parce qu'il fait la découpe un peu ce qu'on appelle timbre dentelé. Et il fait une découpe pointillée aussi, il me semble. C'est-à-dire que, franchement, c'est des pointillés et après, la personne a juste à détacher. Et voilà. Donc, j'espère qu'il fonctionne bien. Je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore testé. Je vous dirai ça, je vous ferai un retour. Moi, j'y allais surtout au départ, c'est pour leur pistolet à colle. J'ai plein de matériel de bricolage de la marque Parkside de chez Lidl et j'ai jamais été déçue. Franchement, je vous garantis que donc à essayer, mais franchement, voilà, je pense qu'il va être super. Donc je l'ai pris et j'ai pris trois recharges. Donc ça me fait 60 bâtonnets de colle parce qu'ils sont pas très larges, vous voyez. Ils font 10 cm et 7 mm de diamètre. Après, je sais pas comment le pistolet je sais pas comment ça fond à l'intérieur. Je vous ferai un retour si jamais enfin, je vous fais des retours uniquement si je suis pas contente. Hein. Les retours de si ça va bien aussi, mais bon, on va dire que voilà. J'ai trouvé des planches de stickers pour Pâques. Bon, moi, clairement, mes cartes, elles sont déjà faites. Donc, ce sera pour l'année prochaine. C'est des stickers brillants. Donc, pas peu fier, rien du tout. Hein. Et il y a 6 planches. Ah oui, en fait, c'est des planches doubles. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a tout ça. Voilà. Donc, ça ira pour Pâques pour l'année prochaine. Et je me suis prise... la pince perforatrice et il doit y avoir une pince à rivet, non, une pince à œillet et une pince en porte-pièce. Donc c'est pour le carton, le feutre, le cuir et le tissu. Et il y a 200 œillets décoratifs avec plusieurs motifs et couleurs inclus. Donc les œillets, il y a des cœurs, il y a des étoiles, l'autre côté je ne vois pas, et là je... Bah en fait je sais pas ce que c'est, enfin une espèce de... Bon bref, je sais pas, un U ou est-ce que c'est un fer à cheval ou je ne sais pas. Bon bref, j'ai pris donc la perforatrice et pour faire les œillets et dedans... Donc il y a 200 œillets décoratifs, voilà. Donc la pince en porte-pièce, elle fait des trous de 6 diamètres différents qui vont de 2,5 mm à 5 mm. Et la pince à œillets qui fait 150 mm. Enfin là, c'est la grandeur de la pince. Donc voilà pour ça. Et dernière chose, j'ai trouvé des tubes de colle. Donc il y a 190 millilitres. Alors l'embout, il y a deux embouts en fait. Donc il y a cet embout là. Ah mais ça commence déjà à couler. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Et en fait, si vous retournez, ça fait l'embout plat comme ça. Et si vous retournez, vous voyez le haut qui monte et ça vous fait un embout. Voilà. Donc j'en ai pris deux parce que la colle moi j'ai jamais été déçue.
elle colle bien. Après, ça dépend du papier aussi, hein, c'est comme tout. Hein. Donc voilà, ce haul Lidl est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, bah maintenant, je vais me mettre au boulot parce que j'ai du boulot. Et j'en ai même par-dessus... J'en ai par-dessus la tête du boulot à faire. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc voilà, je pense que là, c'était le dernier haul. J'avais commandé... Enfin, j'ai commandé chez FDECO France. J'ai commandé un colis il y a à peu près 15 jours que Mondial Relais m'a paumé, voilà. Donc 68 boules de commande paumées, ça fait mal. Et il faut que j'attende 20 jours pour qu'ils remboursent FDECO et que Maria puisse me refaire ma commande, attendre d'être remboursée pour refaire ma commande et m'envoyer mes produits. Inutile de vous dire que j'avais un projet avec tout ce que j'avais commandé chez FDECO et que bah voilà, j'ai que 3 semaines avant de repartir en formation et bah voilà, c'est foutu. Donc Mondial Relais, ça, sérieux, c'est la première fois hein, que j'ai un pépin avec eux. J'ai jamais eu de problème, mais alors là pour le coup ils ont fait fort quoi. Et ça tombe toujours évidemment quand il faut pas. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine suivant quand sortira cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.